C'est Tali Voici, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien chez vous, que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est en train d'avancer, que toutes les résolutions que vous avez prises pour 2019 sont en train d'avancer ou ont déjà commencé. En tout cas, beaucoup beaucoup de bonheur à la famille, beaucoup de bonheur aux enfants, aux chéris, vraiment. Que Dieu fasse grâce à vos projets, mes chéris. Sinon, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille Tali Voici. Pour les personnes qui me suivent déjà, vous là, c'est la famille, c'est la famille. Je vous dis encore merci de me soutenir, merci de partager mes vidéos, merci de commenter, de liker, ça me touche énormément, vraiment votre soutien me touche énormément. Si vous êtes de passage sur ma chaîne et que le concept vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Aujourd'hui, mes chéris, nous allons parler phalanges, nous allons parler produits éclaircissants, mes chéris. D'accord ? Aujourd'hui, je viens vous présenter un produit qui s'appelle Medilight Quintox. Ce produit-là, mes chéris, c'est fait à base d'acide de fruits, de vitamine E, de vitamine A, d'extrait de plantes. À le lire, comme ça, c'est des produits sains, d'accord ? Ça a l'air de rien, mais ce petit produit, c'est un petit flacon de rien du tout, mais vraiment un tout petit flacon. Il est super fort ce produit, mes chéris. Il est super fort. Eux, il n'y a pas de notice. Eux, ils ont mis, donc le laboratoire, il a mis que c'est pour les genoux, pieds et mains. Genoux, coudes, pieds et mains. Mais moi, je vais parler beaucoup plus de phalanges. Mais vous pouvez l'utiliser surtout. Moi, je trouve que c'est trop petit. Vous ne pouvez pas utiliser cette boîte-là pour tout, pour genoux, pieds. Non, non. C'est ciblé pour une seule zone. Si vous n'êtes pas habitué au peeling ou quoi que ce soit, ce produit, s'il est mal utilisé, ça ne va pas du tout vous aider. Ça va vous faire un effet rebond, comme on dit. C'est-à-dire qu'au lieu de vous éclaircir, de vous enlever votre tache, ça va vous noircir encore plus. D'accord? Ce produit-là, il est efficace. Par contre, il faut savoir l'utiliser parce qu'il n'y a pas de notice. Donc, il faut vraiment savoir l'utiliser. D'accord? Pour commencer, je vais déjà vous dire que c'est un produit qui s'utilise que le soir. Dans ma chaîne, je vous dis toujours, et je ne changerai pas, que des produits à base d'acide de fruits sont mieux à utiliser le soir. D'accord? C'est un produit qui est bien que pour le soir, parce que le soleil ne sera pas votre ami si vous l'utilisez, mes chéris. Je répète, ce n'est pas aussi pour le visage. Pour le visage, c'est trop fort. Ça, on ne touche pas le visage avec, mes chéris. D'accord? Ce que je peux vous conseiller pour l'utiliser bien, c'est que vous lavez vos mains. D'accord? Donc, vous avez des mains super propres. Vous essuyez vos mains. Si vous avez de l'alcool, vous frottez vos phalanges ou vos genoux, la partie que vous voulez éclaircir avec un peu d'alcool. Si vous n'avez pas d'alcool, c'est pas grave. D'accord? Ensuite, vous passez le produit, si vous avez un pinceau, c'est bien, sinon un tige coton ou un gant, vous passez sur les parties que vous voulez éclaircir. Vous passez une première fois, vous attendez 30 secondes à 1 minute, vous repassez une deuxième fois, vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes, c'est pas grave, vous repassez une deuxième fois, ensuite vous repassez une troisième fois. Ok, mes chéris, c'est le soir, hein, c'est pas la journée, d'accord? Donc, vous repassez 3 fois le produit, d'accord? Et vous laissez poser, vous touchez pas l'eau,
D'accord? Vous touchez plus l'eau, tranquille, vous laissez le produit agir. Le matin, vous lavez votre main. Par contre, la journée, tout ce que vous trouvez qui peut être hydraté, mes chéris, allez-y sans hésitation. Vous trouvez le beurre de karité, vous mettez l'huile d'olive, vous mettez l'huile de palme, vous mettez toutes les huiles que vous pouvez trouver. Votre mix de crème hydratante, il y en a dans ma chaîne. Vous mettez votre glycérine avec une huile, vous mettez tout ce que vous trouvez pour hydrater. Vous hydratez autant de fois que vous voulez. Ça va aider votre peau à vite se décoller. D'accord? Si vous voyez que maintenant, si vous voyez normalement maximum une semaine, ça c'est le grand maxi, sinon c'est 5 jours. Vous allez voir votre peau va commencer à briller. D'accord? Ça commence à briller, donc ça veut dire que c'est déjà prêt pour être enlevé. Toute la journée, vous hydratez. Dès que vous êtes en possession d'un truc hydratant, vous allez. N'hésitez pas. Le soir, vous refaites l'opération. Le soir, vous refaites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous avez la peau très sensible, 3 jours, ça suffit. Sinon, jusqu'à une semaine maximum. Là, eux, ils ont dit, ça agit au bout de 3 jours. On est bien d'accord que ce n'est pas toutes les peaux qui peuvent agir au bout de 3 jours. Et puis, c'est souvent du marketing, hein. 3 jours, c'est un peu trop rapide. Donnez-vous 5, maximum une semaine. Quand on a la peau sensible, oui, 3 jours, ben, on va dire ça peut. Mais vraiment, maximum, mais le grand, ne dépassez pas une semaine, mes chéris. Dès que la peau va commencer à briller, vous sentez que ça ne va pas là, ça brille trop. C'est là, vous arrêtez. Vous arrêtez, c'est stop. Vous ne continuez pas. Vous hydratez à fond, vous hydratez à fond, vous hydratez à fond. Et la peau va commencer à s'enlever. D'accord? Quand votre peau va commencer à s'enlever, bien sûr, vous pouvez l'aider en trempant un peu les mains dans l'eau, tout ça, tout ça. Quand elle va s'enlever, pour maintenir ça, il vous faut soit un sérum, soit, en fait, un truc éclaircissant, quoi. Moi, j'aime bien les sérums, donc c'est pour ça que je parle beaucoup plus de sérum. Quelque chose pour éclaircir, d'accord? Pour maintenir le teint que vous allez avoir, il faut éclaircir la partie qui a pelé, d'accord? Et après, vous recommencez l'opération au bout de 2 à 3 semaines, d'accord? Vous recommencez ça au bout de 2 à 3 semaines. Si vous avez, comme on dit, la peau dure, la peau là qui est coriace, là qui n'aime pas bouger là. Là, je peux vous conseiller peut-être de le faire une fois par semaine. Et donc, par exemple, on va dire, lundi à vendredi, vous avez fait tous les jours, d'accord? Votre peau s'est enlevée, vous faites une fois dans la semaine et vous attendez 3 semaines pour faire encore lundi à vendredi. Vous voyez? Mais surtout, 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 hydratez. Ça va trop vous aider. Vous savez, quand la peau elle est nourrie, quand elle est nourrie, elle est beaucoup plus belle. Elle se régénère encore plus vite et vous allez avoir des super résultats. Vous allez avoir des super résultats. Ce produit, je vous dis toujours, mes chéris, je vais me répéter, mais il faut que je le dise. Quand un produit, vous sentez que ça ne va pas, il faut arrêter. Même si le produit vous a coûté, je ne sais pas combien. Il faut arrêter. Parce que le prix du produit et le prix de votre peau n'a pas de prix. Si vous voyez qu'il y a des signes, ça va pas, vous arrêtez direct. Celui-là, voilà moi comment je vous conseillerais de l'utiliser. D'accord? Parce que si vous vous amusez à mettre ça dans la journée, bravo, hein, vous allez noircir encore plus et vous allez dire le produit, ah, il fonctionne pas. Après, c'est vrai que si vous l'utilisez mal, c'est comme la lotion Floris Duo ou la lotion grasse. Quand on l'utilise mal, il ne donne pas des bons résultats. Parce que c'est un peeling en fait. Quand ça s'enlève, ben forcément vous allez renoircir si vous éclaircissez pas cette partie, si vous n'en prenez pas soin, si vous exfoliez pas avec votre savon, si vous frottez pas avec votre gant ou avec une pierre ponce. Mais bien sûr que vous allez renoircir, mes amours. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce petit truc-là, moi je ne l'ai pas acheté à Château Rouge, j'achète ça chez une dame. D'accord? C'est une dame qui me l'avait vendu. Mais je ne sais pas si à Château Rouge il y en a. Mais je sais qu'en Afrique, pour celles qui sont en Afrique, il y en a beaucoup là-bas. Ça vient d'Afrique.
Il y en a beaucoup là-bas. Moi, je l'ai acheté à 8 euros. Mais franchement, là, elle s'appelle Midi Light Quintox. Voilà, mes chéris. Le produit s'appelle Midi Light Quintox. Je ne sais pas si à Châteauroux ça se vend. Je n'ai pas encore demandé parce que de toutes les façons, moi, c'est une dame qui me le vend. Donc, vous pouvez demander à Châteaurouge, mais en Afrique, c'est sûr que vous allez en avoir. Aux États-Unis, je ne sais pas du tout. Voilà, mes chéris, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très, très fort. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bisous.